Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et c'est parti pour la suite de l'épopée de Bowser Jr. sur 3DS. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, donc on continue notre aventure. Et là maintenant c'est recommandé niveau 31 et what? Genre ouais, réunion de famille chez les Maskas, genre c'est littéralement ça quoi. Il y a des Maskas de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui est fort contre les Maskas déjà? Mince. Quelle est la différence? Ah oui non, d'accord, ok, mais on s'en moque, mais normalement... Ah, ils sont forts contre les Goombas, les Koopas. Ah ouais, d'accord, ils sont forts contre les Goombas, contre les Koopas, contre les Paracoccinellis. Ça me laisse plus grand chose. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de Maskas volants. Bon, on va voir. En fait, faut juste pas utiliser de Koopa, pas utiliser de Maskas. Bon, ça va peut-être aller, on va voir. En fait, je crois que j'ai un peu paniqué pour rien, ça a pas l'air si compliqué que ça, en fait. Genre, ah ouais, il va peut-être y avoir la troisième phase qui risque d'être compliquée. Effectivement, la troisième phase, ça risque d'être le plus compliqué, en fait. Sinon, après, je pense que ça va. Ouais, tout va se jouer à la troisième phase. La troisième phase, ça risque d'être vraiment chaud, parce que j'ai quasiment que des mecs au sol, et il y a beaucoup de volants. Il va falloir que mes chefs, là, ils assurent. Mais techniquement, normalement, enfin, les genre Bowser Junior, les sbires de Bowser, que j'en ai mis 3 dans mon équipe, là, ce sont des Koopas, techniquement. Bon, j'imagine qu'ils sont pas considérés comme des Koopas dans le jeu, hein, donc ça m'étonnerait que lui, il soit fort contre eux, critique contre eux, je sais pas, ça se trouve oui. Mais techniquement, ce sont des Koopas, hein, ça a été dit de toute façon depuis Yoshi's Island DS, et depuis très longtemps, en fait, depuis même plus longtemps que ça, en fait. On le sait, c'est des Koopas, quoi. Bowser aussi, c'est un Koopa, c'est juste un Koopa un petit peu plus fort, quoi, c'est tout. Enfin bref, on va voir. Enfin, pas un petit peu plus fort, beaucoup plus fort, d'ailleurs. Bref, allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Je pense que le fait d'avoir mis deux tireurs derrière, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a... La plupart du temps, le lieutenant et son et le général sont des volants, donc ça va, ça va. Ok. Franchement, les deux premières phases et la dernière, je pense que ça va être easy. Ce qui va être plus compliqué, comme j'ai dit, ça va être vraiment la dernière. Ok, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, d'accord, ok, ça m'a pas fait bien mal. Bon, pour l'instant, on est en train de les démonter, quoi. Oh, j'ai mis une bobombe dans mon équipe, je me suis dit, les bobombes, j'aime pas trop ça. Mais il y en a certains d'entre vous qui doivent bien les aimer. Donc, allez, pour une fois, allons-y. C'est vraiment pas ce que je préfère, mais allez, allez, ça peut être cool. Ah, j'aurais peut-être dû faire un blocage, bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais peut-être dû. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, c'est marrant. Oula, non, le blocage, 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 attendez, on est en train de se faire démonter, là. Ça se passait bien et d'un coup... Eh mais c'est parce qu'ils sont... Ah ouais, c'est parce que... Attendez, non, négociation. C'est parce que lui, en fait, il est au sol. J'avais sous-estimé ça, en fait. J'aurais peut-être dû faire plus de blocage ou je sais pas quoi, mais... rejoins-nous, rejoins-nous. Oui! Parfait. Là, on est sauvés. Genre, il nous aurait battu sinon. Il nous aurait battu, hein, c'était certain. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu extrêmement de chance, ouais, parce que là, voilà, il est mort. Oh là 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 là. Heureusement que Ludwig était là, il nous a sauvés avec son pouvoir spécial, là. Bref, allez, tout le monde revient. À chaque fois, ils disent vous récupérez quelques PC, mais j'ai l'impression qu'en fait, on récupère tous nos PC, hein, pas juste quelques PC. Mais bon, c'est pas grave. Ok, harangue, ça, je n'aime pas ça. Je vais faire une harangue aussi. Ah non, j'aurais dû la garder pour la troisième phase, mince. Bon, on va voir. Non, 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 pas frappe dissuasive. Oh mon dieu. Encore. Bon, il en aura pas à l'infini, mais c'est relou. En plus, ça me fait trop de dégâts. Non, non, blocage, blocage. Et je crois que là, j'ai fait n'importe quoi pour cette phase. Le gros problème, c'est que le Poki, finalement, il sert pas à grand-chose sur ce niveau. Parce que normalement, il est efficace quand tu l'attaques au corps à corps. Parce qu'il reçoit des... Parce qu'il donne des dégâts quand on l'attaque. Là, en fait, non. Alors ça, c'était vraiment pas cool. Allez, tout le monde veut se faire démonter. Non, non, blocage. C'est chaud, hein. Oh, le pauvre. Ok, alors là, ce sont des tireurs. Donc... Ah, non, 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 c'est pas grave. De toute façon, elle va se faire tuer. Elle va se faire tuer, c'est sûr. Voilà, salut. Oh non, bah ouais, blocage. Ah, j'avais pas trop le choix, là. J'ai utilisé beaucoup trop de points de blocage, c'est ouf. Bon, j'aurai des négociations, en tout cas, pour la dernière phase, hein, c'est ça qu'il faut se dire. J'en aurai 2. C'est pas incroyable, mais ça va. Là, on va y arriver, hein, c'est sûr. Voilà. Ok.
Non mais attendez, un coup il est mort hein. Oui, parfait. BG, BG. C'est un petit peu difficile cette mission, hein. Je suis pas convaincu qu'on y arrive. Oh, il y a un masque rouge qui va nous rejoindre, génial. C'est cool ça, ou pas. Là, c'était la plus dure. C'est celle-là dont j'ai le plus peur. Voler maxi-bombe. Bah, attendez, mais ça va en fait. Enfin, ça dépend si j'y arrive ou pas. Ok. Parce que si j'y arrive... Mince. Mince, non. Ça m'aurait peut-être assuré la victoire si j'y étais arrivé. Oh, j'aurais peut-être dû faire frappe dissuasive d'ailleurs. J'ai mal réagi, mais j'aurais dû faire frappe dissuasive vu le nombre de mecs qui faisaient leur attaque. Parce que là, on se fait éclater. Hein. Allez, on va pas survivre à ça. On est mort, je pense. Ah bah oui, bien sûr, maintenant elle y est bloquée. Je pense qu'il faut que je garde tous mes pouvoirs de frappe dissuasive, blocage et tout ça pour cette phase. Il faut que j'utilise une harangue dès le début. Ah, ça va être chaud. Ou alors peut-être... Attendez. Enfin, j'essaye toujours un peu d'y croire, mais... moyen quand même. Hein. Après, bon, ce sont des volants et nous, on est à terre, alors on sait pas. Ouh, bah ouais, bah s'il est mort, c'est mort. S'il est mort, c'est mort, d'accord. GG. Non, blocage, si tu veux, mais... non, c'est fini parce que lui, il est à terre. Allez, attaque-le, attaque-le. Oh, pas mal, pas mal. Ok, je dirais pas qu'on est sauf, mais... Oh non. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, là? Très mal. Oh non, ça va. Heureusement que j'ai bloqué. C'est dommage qu'on soit pas un tout petit peu plus rapide. Ouais, c'est vraiment dommage. Bah ouais. Parce que là, ouais, il attaque. Ok. Tant pis. Non, franchement, j'aurais fait frappe dissuasive, j'aurais gagné. On réessaye. Mais finalement, ça va. Hein. Chaque phase est assez... Enfin, genre c'est toujours limite. Mais en soi, j'y arrive. C'est limite, mais j'y arrive sans avoir besoin de faire trop de trucs incroyables. Genre, j'ai même pas utilisé de négociation ni rien, alors que là, je suis à la troisième phase. Donc, en fait, ça va. À chaque fois, j'ai peur parce que je me retrouve face à un ennemi à la fin, mais je pense que c'est bien possible. Bref, là, on garde quand même la frappe dissuasive. Au moment où ils sont 6 à faire le truc, il faut absolument faire la frappe dissuasive. Et ça, il faut aussi que j'y arrive. C'est pas énormément de dégâts, mais c'est quand même bien. Voilà, excellent. Non, mais je me foire tout le temps. En fait, j'attends trop le dernier moment. C'est ouf. Une frappe dissuasive. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, là, ça fait mal à tout le monde. Voilà, c'est la petite vengeance pour le voler machin truc. Fait une harangue en plus. Je crois qu'il a... Je crois qu'il a la frappe dissuasive lui aussi. Je suis pas sûr. Celui de la phase d'avant, il avait la frappe dissuasive. Lui, je sais pas s'il l'a. Il l'a pas, d'accord. Très bien. Parfait. Mais comme je l'ai dit, c'est... Mince. Ok. Ah oui, c'était la bombe, d'accord. C'était effectivement la pire des phases. Oh là là. Là, c'est chaud. Hein. Ouais, mais non, mais t'en attaques qu'un, c'est dommage. T'aurais dû faire un petit peu de dégâts à tout le monde plutôt qu'en attaquer qu'un seul. Ouais, non, d'ailleurs, il est même pas mort. Hein. Ok, très bien. Ah, là, c'est bien. Ça, il y en a un qui va mourir et les autres presque... Enfin, presque moyen. Non, il perd trop de vie, Bowser Junior. Blocage. J'ai l'heure du goûter au pire. Ah bah je l'ai plus. Ah bah j'ai plus l'heure du goûter, qu'est-ce que je raconte. Oh non. Oh non, sérieusement. J'ai perdu. Ça dépend qui l'attaque. Mais voilà. C'est oh, trop chaud cette phase. Les ennemis semblent avoir adopté une formation spéciale. Appuyez sur Y, je sais. Chercher une case où beaucoup d'unités du même type sont présentes et placer des unités qui ont l'avantage contre ce type. Oui, je peux utiliser l'action, je sais, mais j'aurais dû utiliser le truc du goûter au lieu de faire un blocage. Oh là là. Bon, j'ai augmenté le niveau de Ludwig. Je sais pas si ça fera l'affaire, mais on va espérer, on va croiser les doigts. J'ai augmenté un niveau et en plus, je lui ai donné plein de poids de vie, défense, morale, etc. Parce que Ludwig, il est indispensable quand même. C'est le plus fort finalement de tous les Koopaling. C'est pas mon préféré, hein, mais je pense que ça doit être le plus fort du jeu. Surtout avec son pouvoir, quoi, c'est vraiment ultime. Ah, j'avais oublié ce truc-là. Ça, il faut que j'y arrive à un moment, hein. Je suis pas sûr que ce soit ça qui me permette... qui me permette réellement de me sauver la vie, mais... c'est déjà ça, quoi. Ok.
Non, non, non. Ouf, mince. What? Je sais pas ce que j'ai fait, mais ok, d'accord, très bien. Bon, ça a marché. Parfait. C'est une bonne chose pour une fois. Donc là, ah, on peut faire une harangue, c'est vrai, parce qu'on fera la frappe dissuasive pour eux. Et eux, ils ont pas de frappe dissuasive. Si ça marche, d'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'ils veulent faire leur truc. Genre, ils veulent pas faire leur super attaque, là, tous ensemble. Non, mais attendez, mais ça change toute ma stratégie, là. Y a plus personne dans mon équipe, déjà. Ah, mais attendez, mais non, mais c'est ouf. Ah, mais attendez, non, mais y a un gros problème, là. Attendez, c'était bien parti, Ok, bon. C'est pas mort, c'est pas mort. Mais surtout que j'ai toujours assez de points pour faire l'heure de goûter si jamais il faut. Mais ça a quand même détruit toute ma stratégie, là, de pas pouvoir faire la frappe dissuasive. Parce que ça leur aurait fait pas mal de dégâts à tous, hein. J'attends le dernier moment pour faire l'heure de goûter parce que ça se trouve, j'en aurais pas besoin. Ça se trouve, si, mais c'est possible que non. On ne sait jamais. Je pense que j'en aurais pas besoin. Il est mort, et un coup, il est mort. Oui, parfait. Ok, bon, comme ça, on a presque tous les points de Bowser Junior. Puis là, on a frappe dissuasive, négociation. Je vais pas utiliser négociation, sauf en dernier recours, mais je vais plutôt attendre la frappe dissuasive. Pourquoi il y a plein de mascottes qui nous attaquent? C'est pas gentil, on n'a rien fait. Qu'est-ce que tu fais, toi, harangue? Moi aussi, je vais utiliser harangue. J'espère qu'il a pas la frappe dissuasive. Enfin, cette phase devrait peut-être être un petit peu plus facile. J'aurais dû faire la frappe dissuasive, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. À chaque fois je dis il faut que je le fasse, et quand c'est le moment je le fais pas. D'accord. Ah, il est pas mort, mais il lui reste rien. Vas-y, frappe dissuasive, ok. Pas question. Ok, très bien. La prochaine fois on refera aussi une frappe dissuasive, vu que de toute façon on peut plus refaire négociation. Oh non. Oh non, faut qu'il loupe. Ah mais attendez, mais il a fait aussi pas mal de dégâts à ses potes là. Il est nul. Ah par contre il peut pas faire de dégâts au chef, parce que le chef il doit être justement sur le bateau. Bon par contre il a combien de points lui? Il fait combien de trucs? Oh, 70% de PV ennemi restauré. Mais bien sûr, pourquoi pas. Non lui il est tout seul, j'ai fait blocage trop tard. Mais ouais il était tout seul, ça servait à rien. Bon aussi quand même, ok, frappe dissuasive, vas-y. De toute façon ils sont presque tous plus que tout seuls je crois. Ah non, j'aurais dû le garder pour là. Bon tant pis, c'est pas grave, on est quand même super bien parti là. Non, c'est bon, ouais, ils sont plus que 3. Le pire c'était vraiment la troisième phase. Mon équipe était pas assez équilibrée en fait pour supporter la troisième phase. Sinon le reste ça allait. C'est un peu ric-rac quand même mais ça va. Bon là je sais que c'est un peu la galère vu qu'ils volent et que quasiment tout le monde est à pied. Allez, il a plus de vie. Vas-y, explose-lui dessus. Sacrifie-toi pour la bonne cause. Ah, j'ai fait que ok, c'est pas grave, ça l'a tué quand même. Yes. Et je crois que c'est la première phase où j'arrive à tuer tout le monde. Assez étonnant. Bon, terminé. Là, on va aller débloquer Roy, non? Au prochain combat, ça a l'air d'être Roy. Tir équilibriste. Cette action peut être utilisée par l'ennemi. Il monte sur une boule et fonce en ligne droite. Appuyez sur A pour que Bowser Junior donne un coup de pied dans la boule. Essayez de viser une ligne sur laquelle se trouvent de nombreux ennemis. Ok, d'accord, très bien. Mascasse bleu, mascasse jaune, hélico mascasse. Ok, ça me redonne des points en plus, c'est très bien. Bon, c'est pas tout de suite, Roy. Poulet de PV pour Bowser Junior. Bowser Junior, il est quand même extrêmement puissant, c'est cool. Ah, ça, c'est pas assez, voyons. Bon, qu'est-ce que c'est là-haut? Ah, il va y avoir des Xampi encore. Donc ce mascasse, oui, ça on s'en moque. Ah, là, il faut utiliser des Swoopers contre lui. Faut pas utiliser de Eris. Captain Mascasse et Swooper, ok. Oui, parce que c'est vrai, j'ai complètement oublié ça dans le dernier épisode. J'ai débloqué les capitaines. Je les ai même pas mis dans mon équipe. Genre, on a Captain Mascasse, on a aussi Captain Boo. On doit avoir Capitaine Koopa et Capitaine Goomba. Bah ouais, tiens. Bon, tant pis. C'est pas grave, ils doivent pas être si forts que ça, mais c'est marrant de les revoir. Bref, alors, on confirme, je pense que ça devrait peut-être y aller comme ça, on verra. Je sais pas, de toute façon, je fais comme ça, si ça marche pas, et ben on essaiera autrement, on fera une autre technique. Je surveille vos arrières, ne l'oubliez pas. On n'oublie pas, t'inquiète. Il y a combien de phases déjà? Il y en a 4 je crois, ouais, 4. Maintenant ce sont des longs combats. Hein. Alors eux, ça va pas être drôle.
Mais ça va aller parce qu'après on a quand même... Ouh là 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 là, d'accord. J'aurais dû faire une frappe dissuasive vu que de toute façon j'aurais gagné. Bon c'est pas grave, de toute façon ça m'étonnerait quand même qu'on meure à ce combat. Oh bah on sait pas hein, c'est possible. Mais ça m'étonnerait. What mystère, what? Non, pas de dégâts, pas de dégâts. Esquive diminuée, ouais d'accord. Attendez, il nous mate un petit peu là, non? Ah non, 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 c'est nous qui arrivons bien. Je suis un peu étonné. Bon, par contre, le Swooper, ils attaquent pas du tout les... Ouais, ils ont enfin attaqué une fois les... l'Exampi. C'est pas mal quand même. C'était censé être leur point faible, pourtant ils les attaquaient même pas. En même temps, ils attaquaient ceux qui étaient devant. Allez, attaquez! Ouais, parfait. Ah mais attendez, mais c'est les chefs là! Ah bah ça va, on a gagné. Allez, plus qu'un coup, hein. Parfait. Merci Captain Maskas. Bon, maintenant, phase suivante. Il y a une phase qui me foutait un peu le doute. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle d'après. La troisième. Surtout pour les chefs. On verra. En plus, ouais, il nous disait que genre Captain Maskas était efficace contre les Lakitu. Mais des Lakitu, il y en a que deux dans tout le combat. Donc, c'est pas non plus la peine de les surexploiter, quoi. Non! Ouais, si, si, je garde mes frappes dissuasives pour la fin. Oula! Ils ont massacré mon volant! Ce sont des mecs au sol et ils ont massacré mon volant, ça se fait pas du tout! J'en retiens. Non, 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 non. Ils vont massacrer un autre volant là. Ah non, ça aurait été mieux d'attaquer le fourmili! Enfin, je sais pas, c'est un conseil que je vous donne! Non, ils sont pas débiles quand même. Non, 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 non. Puis il y en a encore deux. Oula! Ça, c'est un petit peu plus dangereux. What? What? Non, 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 je bloque pas, je bloque pas. De toute façon, il est mort. Même si j'avais bloqué, il y en aurait un qui l'aurait fait et il serait mort, je pense. Pas sûr. Mais bon, on sait jamais. Et. Parfait. En fait, on est toujours 7, nous. Bah ouais, j'ai peur parce qu'il y en a un qui arrive à détruire nos défenses et qui arrive à aller jusqu'au boss. Mais en fait, ça va, il y a plus personne de l'autre côté. Donc, on va y arriver sans problème. Allez, Bowser Junior, voilà, t'en fais qu'une bouchée, lui. Pas la peine d'avoir peur. Allez, attaquez le petit Xampi. Un coup et c'est fini. Ça dépend qui le donne, mais non, je vais pas bloquer ça, vous moquez de moi. Ouais, bon, ça fait des dégâts à tout le monde, mais ça fait rien. Ah non, même pas un coup, il en faut deux. Allez, Poki, qu'est-ce que tu fais? Ok, enfin, félicitations. Il est un petit peu lent, le Poki, hein. Je l'aime bien, mais il est un petit peu de temps. L'avant-dernière. Ok, ça c'était la phase un petit peu chelou. Même si je pense que ça va aller. On verra, mais... ils sont relous. Je sais pas quel stat ils ont à fond. Mais ils font tout le temps des coups spéciaux. C'est insupportable. Qui faisait des critiques? Ah, c'était les Swoopers contre les Xampi, c'est vrai. Enfin, ils peuvent leur attaquer. Comment ça, des renforts? Ah ouais, mais non. Oh là là, c'est pas cool, hein. Ah, puis il en renvoie encore. D'accord, non. Mais il a l'air d'être bien, là, le Maskas, le Graco, Graskas, ou je sais pas quoi, là. Il a l'air d'être pas mal au niveau de ses stats, hein. Il arrive à faire des ultis assez souvent. Et en plus de ça, il... comment dire... Il arrive bien à esquiver les attaques. Même celles qui sont de son type, qui est pourtant sa faiblesse. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, vas-y. Oh, pff, ouais, c'est pas grave. What? Oh, vous auriez dû vous donner des vies, hein, bande de débiles. Ça sert à rien, ce truc. Vas-y, là, t'es critique, mec. Attaque. Voilà, bah ouais, rends-toi utile. C'est bon, celui du il est presque mort. Oh, pas mal. Ah, j'ai un petit peu loupé, mais... C'est pas grave, allez un coup, celui d'en haut il est mort. Non, t'attaques le mauvais. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, parfait. Comme ça, on gagne notre petit bonus à la fin. Bon, il va mourir le petit Maskas, hein. Oui, vas-y, fais-lui ton ulti, ce n'est rien. Ah oui, mais j'aurais pas voulu qu'il gagne des vies. Mais heureusement, il les a pas gagnés. Il a même pas réussi à tuer le petit Maskas. Parfait. Dernière phase, on a toujours deux frappes dissuasives, faut pas l'oublier. On pourra en avoir une troisième bientôt, en plus, si on augmente de niveau. Et ça va être utile, là. Surtout que lui, je suis sûr qu'il peut en envoyer du Toxicozol Z, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, harangue. Ah, moi aussi, je vais faire une harangue, tiens. Allez, c'est parti, harangue. Petite harangue des familles. Utilisez vos ultis. Ouais, pas mal. La meilleure ulti que j'aurais pu demander en début de combat. Elle sert pas à grand-chose vers la fin, mais en début, elle est ultra utile. Mais c'est génial.
On les éclate. Non mais attendez, ah d'accord, ouais, quand même. Je me disais, c'est un petit peu la honte pour eux là. frappe dissuasive, oui, frappe dissuasive, vous êtes trois à faire votre truc. J'ai failli faire blocage par erreur. Hein. Non, lui aussi, il le refait. Bon, c'est faire, t'inquiète. De toute façon, moi j'en ai encore une, alors tu verras bien. Vas-y, allez, très bien. Ah, j'aurais peut-être dû la garder pour le dernier Xampi. Quoique, attendez, on va être 8 contre lui. Normalement, voilà, on est 8 contre lui, ça m'étonnerait qu'il survive bien longtemps. Bon, on est 7. Ouais, regardez les dégâts qu'on lui fait, il a pas de vie, lui. Dommage qu'on puisse pas le recruter, d'ailleurs, le Xampi. Parce que techniquement, ils sont dans la chambre froide du château de Bowser, donc ils pourraient faire partie de son armée. Mais il a peut-être jamais réussi à leur retourner le cerveau, Bowser. Alors que Krakowicz y est arrivé. GG, Krakowicz. Ok, un lucky tu, waouh, je suis ravi. Très bien, parfait. Et là, oulalalalala. Seul, je ne peux pas combattre. Quoi? Encore un truc, on pourra pas changer la formation? Ok, on va voir. On va voir ce que c'est. Ça va être une petite mise en scène. C'est sûrement pas le dernier monde, hein, parce que ça m'étonnerait qu'il reste qu'une mission à faire avant la fin. Oui, que se passe-t-il, Bowser Junior? Hein? Ouais? Vous aussi, vous avez remarqué, petit maître? Moi, j'ai pas remarqué. Hein. On s'approche de plus en plus de la base ennemie, mais il n'y a pas l'ombre d'un ennemi. Jusqu'à récemment, cet endroit grouillé de sbires manipulés. Il y a quelque chose qui cloche. On va pas s'en plaindre. Allez, en avant! C'est bizarre quand même. Enfin, c'est pas comme si on venait de battre des hordes d'ennemis, mais bon. On va l'oublier. Oh oh. C'est pas les capitaines, non? Tiens, ceux-là, ils ont eu leur compte. Est-ce que c'est par hasard? D'accord, ils s'en moquent un peu. Oula! Ok, il y a un gros tas de Koopas. Ouais, il y a eu du carnage ici. Oula là! C'est lui qui a fait ça? Roy est lui tout seul! Hé, hey, Roy! J'espère qu'il est gentil alors. Roy, c'est toi qui as mis tous ces sbires au tapis? T'approches pas si près, si c'est un méchant, il va t'en foutre une. Oh, je te cause! Roy! What? C'est peut-être les effets secondaires du Toxicosol Z, non? Nous sommes en plein territoire ennemi, transportons-le dans un endroit plus sûr. C'est étrange. Et après, il n'en restera plus qu'un à voir. Roy a attaqué le château avec l'intention de battre tous les ennemis à lui tout seul. Roy est dans toute sa splendeur, il ne fait pas dans la dentelle. Ah d'accord, c'est ça, ok. Je me demande s'il a fait tout ça pour le petit maître. Et le grand maître aussi. Regardez-moi dans quel état il s'est mis. Non. Non quoi? J'ai pas fait ça pour le petit. Roy, tu es réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Après vous avoir quitté, je me suis mis à errer sans but précis. Il y a longtemps ça. Waouh! D'accord. Quand tout à coup, je me suis fait attaquer par une bande de Goombas disjonctés. Je comprenais rien ce qui se passait, mais j'ai continué à combattre sans relâche. Et donc, c'est ça, il a. Tous ceux qu'il a battus, c'était des mecs avec le Toxicosol Z. Mais attendez, mais il est ultra fort! J'étais de plus en plus en colère! Aïe! J'étais en colère contre moi parce que je combattais mes camarades de toujours! Et puis il y a eu un grand blanc. Oh là 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 là, il a pas pu battre tout ça, c'est impossible. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'étais au seuil du château. Attendez, mais s'il fait ça tout seul, c'est bon, le boss final, il le fait en un claquement de doigts, quoi. Il a pas besoin de nous, hein. Genre c'est l'armée de Roy. Moi je m'interpose pas, hein. Tu ferais mieux de te reposer ici quelque temps.
Non, je peux pas. Ok, on y va. Oh là là, il a du mal quand même. Mais si tu devrais quand même un petit peu te reposer après l'exploit que tu viens de faire. Cette colère veut pas s'apaiser. Je dois aller au château tout seul. Je dois tous les vaincre de mes mains. Je dois les faire revenir à eux. Roy! Ouais. Roy! Genre, il veut montrer au petit chef que qu'il est fort, c'est ça? Mais on le sait, t'en fais pas. Tch. Moi qu'espérais que t'aurais un peu grandi quand je te reverrai. Mais je vois que t'es toujours qu'un sale gamin capricieux. Voilà! J'irai tout seul, un point c'est tout. Dans ce cas, je vais devoir te vaincre pour te forcer à venir avec moi. Oula, je suis pas sûr, après toute l'armée qui s'est faite, je suis pas sûr que tu y arrives. Ha T'aurais pas beaucoup de mérite à me battre, je tiens à peine sur mes jambes. Non mais t'es sérieux, quand mec? Tu pouvais faire ça depuis le début? Voilà, tu es guéri, plus d'excuses. Kamek, tu es sûr que c'était la bonne chose à faire? Rien ne pourra les arrêter, ils sont tous les deux têtus comme des mules. Ce sont des imbéciles. Tout ce qu'on peut faire, c'est les laisser se taper dessus jusqu'à ce qu'ils soient calmés. Il dit ça de Bowser Junior qu'on lui coupe la tête. Me traite pas d'imbécile! Qu'est-ce que je disais? Ils sont pareils, tous les deux. Alors, tu veux te battre, gamin? Tch, eh ben, c'est quand tu veux. Approche! Je vais gagner, c'est obligé! Oh yeah, bah ça dépend, attendez, c'est vraiment Bowser Junior contre Roy? Genre, pas de renfort ni rien. Oh! Bon, on est volant, donc peut-être, je ne sais pas. On utilise la flûte Maskass? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous allez voir mon moral, il fait une harangue, d'accord? Bah je vais te bloquer, mec. Enfin, je vais te bloquer, non, enfin, je vais bloquer tes attaques, quoi. Flûte Maskass, ah ouais, mais ça vaut cher la flûte Maskass. J'aurais peut-être pas dû. Ok, deux coups vont être sur lui et un coup va être dans le vide, mais on s'en moque du moment que c'est pas sur nos potes. J'aurais cru qu'on lui ferait un petit peu plus mal que ça en fait. C'est une attaque qui est efficace pour attaquer plein de gens, mais qui doit pas être très efficace pour attaquer un mec. What? Je vais vous montrer qu'on rigole pas, d'accord? Bilbourin, oula! Qu'est-ce qu'il fait? C'est parti! Mais décale-toi, mec! Bon, il a pas fait plus de dégâts que quand il fait son attaque normale. Hein. J'aurais dû garder mes blocages. J'aurais pas dû faire ça. Ah, encore deux coups et ce sera bon. Allez. Sauf s'il refait sa grosse attaque. Yes! Oh mon dieu. Mais attendez, il arrive à battre une armée. Par contre, il est pas capable de battre Bowser Junior. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bon? Le petit maître a gagné. What? Petit maître! Donne-lui ton pouvoir aussi! Mais c'est pourtant lui qui a gagné! Ça fait un moment qu'il combat sans jamais se reposer. Son petit corps est couvert de blessures. Mais il n'a jamais rien laissé transparaître! Oh! Heureusement qu'il est là pour soigner, Kamek. Et genre, il peut faire ça à l'infini? Pas mal. Pourquoi il fait pas ça en combat? Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Petit maître, tenez bon! Ouais, t'es pas une très bonne nounou, Kamek. Les voilà, attrapez-les! What? Qui a crié? Petit maître, vous devez vous reposer! Petit maître! Ouais, c'est bon? T'es fier de toi? C'est de ta faute, Roy! Non, mais il nous rejoint. Tant mieux. Roy est revenu dans votre groupe, plus ou moins. Plus ou moins, bah si, non? Ah, pas mal d'XP, d'accord. Voilà, Roy est de retour, je crois. Il était déjà là au début, je sais plus. Bref, la puissance des 7 terreurs. Ok. Et ben, on verra. Attendez, ça veut dire que c'est peut-être un combat où il faudra le faire avec toutes les terreurs. Ah, ce serait marrant, on verra. On verra, je sais pas, je sais pas. Bref les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de l'épopée de Bowser Junior. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve, eh bien, mardi prochain normalement pour la suite. Salut!